Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique parce que aujourd'hui on va collectionner des voitures de luxe. J'avais été nombreux à demander un épisode 2, voilà, l'épisode 1 vous a pas mal plu. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 2, on va aller chercher des supercars de milliardaires. Donc on sait pas ce qu'on va trouver, en tout cas on va trouver des trucs incroyables. Voilà, je vous le dis, ça va être des trucs vraiment incroyables dans des villas, dans des trucs, dans des endroits un peu magnifiques de la map. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, abonnez-vous, mettez un like et c'est parti, let's go. Ok, on est parti, hello, let's go. Souvenez-vous de ma petite tenue. Bonsoir Simon, tu es de retour. Et la dernière fois, je t'ai ramené des véhicules de ouf. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Ok, et bah écoute, on y va, let's go les gars. Première villa, hein, premier véhicule à aller chercher, c'est juste là, là, on est juste à côté. Ah, on a de la chance en fait. Par contre, voler la voiture du voisin, est-ce que ça craint ou pas les gars? Je mets le point, hein, c'est là, hein. Regardez, c'est juste là. On va voler la voiture du voisin les gars, bon, on prend la moto, allez, tiens, on prend la moto. Par contre, faut pas qu'il y ait de garde ou quoi. Ok, je vais cacher ma moto là, je vais cacher ma moto. Je sais même pas si je peux monter comme ça. Ouais, y'a moyen. Ok. Ok, dessous. Ok, y'a un garde là. Y'a un garde. Ok, les gars. Doucement. Faut pas faire de bruit. Y'a un garde qui est en train de surveiller la moto. Oh, les chiens de ce garage de fou. Oh my god. Alors, par contre, au fond, les gars, je crois qu'il y a une putain de voiture. Ok, doucement. Doucement les gars. Doucement. Bonsoir. Petit. Je vais me prendre quoi, tiens, pour le tuer. Une hache de guerre. Oh, oh shit, heureusement qu'il a pas fait d'alerte les gars. Il a pas fait d'alerte. Et on est parti pour la première voiture. What is this shit? C'est quoi de ça les gars? McLaren 720, je crois, si je me trompe pas. Elle est tout simplement incroyable. Et on est parti avant que tout le monde le chope. Il n'y a personne dans la maison les gars. Let's go! Oh shit. Alors par contre, bah, je vais passer par là. Tiens, il y a un chemin ici. Waouh. Alors j'ai volé la voiture de mon voisin. Voilà. Première voiture, Simon, il nous ramène à l'échelle. Bah voilà, on doit aller voler la... Oh là là, bonsoir petit chien. On doit aller voler la voiture du voisin qui est magnifique. Non mais regardez-moi cet aileron. Regardez-moi. Simon, bonsoir, comment vas-tu? Ah, il est encore là, il n'a pas bougé. Bon, en tout cas, premier véhicule, on est bon. C'est là. Oh là 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 là, McLaren 720S, tout simplement magnifiquement incroyable. Elle est incroyable. Simon, alors dis-nous, t'as encore d'autres voitures à aller? On doit aller chercher d'autres voitures? Ouais, ouais. Et bah écoutez, on va aller chercher la deuxième voiture. C'est parti. Ok les gars, nous nous trouvons actuellement près de l'hôtel le plus prestigieux de GTA V, l'hôtel Richman de Los Santos, hein, c'est le plus prestigieux de Los Santos. Et devant cet hôtel, parfois, il y a des voitures magnifiques. Alors attendez, laissez-nous voir un peu ce qu'il y a. Regardez-moi ce qu'il y a là-bas les gars. Holy shit, ok, on a une Wagner, on a une Vision. Et regardez-moi, c'est une BM je crois au milieu les gars. Ok, c'est une BM au milieu. Alors je pense que celle-là, on va la faire en mode direct. Et je vais aller direct. Je vais pas chercher à comprendre, je vais aller direct, je vais faire genre... tu vois, genre je suis un mécanicien. Ok. Bonsoir messieurs, je suis mécanicien, oui. C'est bien moi, je suis le mécano qui vient. Oh, il y a du monde, il y a des personnes plutôt riches ici, regardez comment ils sont habillés. En tout cas, il y a des voitures de luxe. C'est ici un peu que t'as tous les riches de GTA V, tous les gens qui viennent dormir ici, ceux qui viennent à Los Santos visiter. Oh les chiens, regardez-moi ce véhicule. Alors on passe juste à côté pour pas faire genre on veut le voler. On est juste à côté, tiens, bonjour, je vais prendre une petite photo tranquillement, je vais prendre mon téléphone. Voilà, je vais juste prendre une petite photo, hop, voilà. Hein. Oh là 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 là, c'est une BM de 1900, je ne sais combien. Je vais essayer en espérant qu'il crie pas, les gars. Pour l'instant, ils ont l'air de rien dire. Ok, c'est bon, je suis en train de sortir. Ok, les gars, deuxième véhicule BMW, tout simplement. Giga, méga, incroyable. Elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Alors, personnellement, ce genre de véhicule, je kiffe. Voilà, je le dis, je kiffe. Genre, je kifferais vraiment avoir un véhicule comme ça dans la vraie vie. Genre je kiffe ce genre de véhicule. Bon les gars, du coup on va aller mettre ça près de chez Franklin. Par contre elle a une très bonne tenue de route. C'est un très beau véhicule hein.
Je vais aller garer ça et du coup, on va tout simplement ramener ça à Simeon au calme. Waouh, elle a une bonne vitesse. Hein. Elle a une bonne vitesse. Franchement, très bonne vitesse. Elle conduit plutôt bien et c'est vraiment beau. Très beau véhicule. Je vais mettre en première personne. Holy shit. C'est vraiment stylé quand même de collectionner et de voler des voitures de riches. Ok, les gars, on arrive. On arrive près du village. Bonsoir, bonsoir. On voit pas. Hey, what's up? On va garer la voiture juste à côté de la McLaren. C'est notre deuxième trouvaille. On aura à peu près 7 véhicules à les voler. Donc croyez-moi que le deuxième, il est vraiment beau. J'ai hâte de voir les prochains. J'ai hâte de voir les prochains. En tout cas, voler des véhicules de riches. Bah, c'est bon, il nous a laissé tout seul. En tout cas, voler vraiment des véhicules de riches, c'est stylé. Voilà, je kiffe voler des voitures de riches. Alors du coup, c'est parti. On se retrouve pour le troisième véhicule. Ok les gars, on est actuellement près du troisième véhicule. Et regardez-moi cette bête qu'il y a juste en bas. Je vais vous montrer ça. Alors par contre, ça craint un peu parce qu'on est devant la banque centrale, la banque au centre de Los Santos. Et malheureusement, regarde, oh là 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 là, c'est quoi ce 4x4 de blindé? Le problème, c'est que il y a, et ben voilà, regardez, il y a le groupe 6 les gars qui est juste là et qui malheureusement est en train de décharger de l'argent. Donc je vais devoir les tuer. Ouais, j'ai sa tête là. Ok, je vais commencer par lui parce que lui tu vois il est caché. Ok, 3, 2, 1. Ok, c'est mort. 3, 2, 1. Ok, oh putain, on a les flics. Oh les shit, on a les flics, on a les flics, on a les flics. Lalilalilalou. Je vais descendre vite. Oh là là là. Oh là 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 là. Allez, ça commence. Bon bah, nous qui voulions aller voler un véhicule discrètement, ça va être tendu. Ça va être tendu. Je vous le tire dessus, les gars. Allez, 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 vite. En espérant qu'il n'y ait pas de flics. Putain, les gars, ça va être compliqué. Je le savais que de toute façon, si tu tues des gars qui travaillent, enfin voilà, ils travaillent pour le gros 26, les gars, c'est quand même un véhicule blindé, un fourgon blindé avec de l'argent dedans, quoi. Oh putain, il y a un hélico. Oh là là, regardez-moi ce bijou. Ce bijou qu'on a chopé, les gars. Magnifique. Bon, je vais essayer de les semer. Je vous garantis rien. Déjà, l'hélico, je crois que je les semais. Hein. Dans un tunnel. Oh, c'est bon, je les ai semés. J'ai essayé de s'aimer direct les gars. Ok, vous voyez la map à le kinet plus en bas. Eh bien écoutez, on va du coup ramener ce troisième véhicule qui est tout simplement incroyable. Alors je sais pas où est-ce que je vais le mettre parce qu'il y a vraiment pas de place. Ok, du coup on arrive actuellement près de chez Franklin pour livrer le troisième véhicule. Ah ouais, le troisième véhicule par contre ça va être compliqué. Je vais peut-être le mettre je vais le mettre peut-être de derrière, genre, attendez, je sais comment le mettre. Ouais, je vais le mettre derrière parce que là, à mon avis, il n'y a pas de place du tout. Ok, du coup, les gars, voilà un peu comment j'ai garé les véhicules. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ouais, je pense qu'on est pas mal parce que le Ford, je pense qu'il va prendre trop de place. En tout cas, il est vraiment cheaté, ultra cheaté. Imagine, il mettait un véhicule comme ça. Ça fait penser au Dubsta sur GTA. Enfin, le vrai Dubsta, quoi, de GTA, je parle. Mais en 50 fois mieux. Voilà, faut le dire quand même. En 50 fois mieux. En tout cas, on se retrouve pour le quatrième véhicule. À tout de suite. Ok, les gars, quatrième véhicule. Et attention, alerte michetonneuse. Il y a toutes les meufs. Regardez-moi ce bijou. Mais regardez-moi toutes les... Oh la vache, c'est quoi le bodybuilder là? Toutes les meufs dans le véhicule de la 800 000 tonnes, les gars. Oh là 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 là. Cette Formule 1 magnifique qui est explosée. On va la voler. Alors, il a l'air d'avoir pas trop de gens qui pourraient potentiellement nous faire du mal. Hein. Il n'y a pas de garde du corps autour. Il n'y a pas de flic. Par contre, il y a des meufs. Alors là, pour les 800 000 tonnes, il y en a des filles. Oh là là. Qui rêverait d'avoir le, bah, voilà, le véhicule, la Formule 1 de les 800 000 tonnes. Voilà, pour ceux qui sont fans de Formule 1, moi je suis fan. Hein. Oh, déjà juste la voix. C'est la première fois que je la vois. Vraiment, c'est la première fois que je la vois. Sur GTA, du coup. Magnifique. Par contre, la bodybuilder, elle fait peur. Voir si je monte dans la voiture, est-ce qu'elle fait un truc? Non, elle fait rien. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Alors, encore une fois, dans les commentaires, vous pouvez choisir selon vous et d'après vous. Et. Voilà, selon vos goûts, quel est le véhicule que vous, par exemple, vous, hein, vous choisiriez? Pour l'instant, on en a 4. Hein. Il en reste encore 3. Donc, à vous de voter dans les commentaires, quel est votre préféré? Moi, bon, pour l'instant,
Honnêtement, c'est le véhicule de Lewis Hamilton. Oh là 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 là. Je vais tester la vitesse quand même. C'est trop, les gars. S'il vous plaît, Rockstar, mettez-nous le véhicule de Lewis Hamilton, bordel. Mettez-le nous. Pourquoi vous mettez pas le véhicule de Lewis Hamilton? Why vous mettez pas... Pourquoi? Pourquoi vous mettez pas le véhicule de Lewis Hamilton? Je vous demande, Rockstar. Oh là 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 là, la vitesse. La vitesse. Oh, il y a trop de PNJ par contre. Oh, je suis à 356, les gars. Holy shit. 390. Oh, je gère à mort. Oh là 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 là, je suis un pilote. Je suis un pilote, voilà. On m'appelle Lewis Hamilton, c'est moi, le Lewis Hamilton de GTA 5. La salle, remballe toi. Voilà, c'est moi. Attends, je suis devenu Lewis Hamilton. Toi, la salle, bah t'es qui? T'es, je sais pas. Voilà, t'es le plus nul de la Formule 1. En tout cas, les gars, on va aller livrer ça. Oh là là, je kiffe. Là, pour moi, j'ai envie de limite de finir la vidéo comme ça, mais non, on peut pas, parce qu'on a trois véhicules à aller voler encore. Donc on va aller ramener ça, à tout de suite. Ok, Lewis Hamilton dans la maison, Formule 1, Mercedes avec nous, Mercedes. Oh shit, alors toi, je vais te garder une petite place. Moi, je vais te mettre tout, toi. Tiens, je vais te mettre là pour l'instant, parce que je sais où je vais la mettre. Donc pour l'instant, je vais la laisser ici. Voilà, je vais la laisser ici, et du coup, on va se retrouver pour le cinquième véhicule de cette vidéo. À tout de suite. Ok les gars, pour ce cinquième véhicule, la sécurité est vraiment beaucoup trop renforcée pour pouvoir y aller à pied. Parce que regardez-moi ça, toutes les routes sont bloquées. On est actuellement au gouvernement, donc on est... gouvernement, vous connaissez, j'ai envie de dire. Là où il y a le président. Et devant chez le président, je sais pas si vous voyez, en bas, je vais zoomer. Voilà, je vais zoomer. Regardez-moi ce véhicule. Donc c'est un véhicule... test, voilà, j'ai une information comme quoi il y a un véhicule test ici, et c'est tout simplement le véhicule, un véhicule qui vient du futur et qui malheureusement l'état ne peut pas le montrer. Donc c'est parti, j'ai mis ma tenue de parachutiste hein, cette fois-ci. Ok, je vais atterrir directement sur le véhicule, les gars. Ok, ok, waouh, c'est quoi ce véhicule? C'est quoi ce véhicule? Vite, 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 vite. Oh shit. Bye, salut tout le monde. Salut tout le monde, ciao. Holy shit. Ok, doucement, doucement, doucement. On a volé ce véhicule. Wow. Bon, sois discret, les gars, discret, discret. Sois tranquille, les gars, on a rien fait de mal. Ah, mais... ah ouais, même ici. Ah ouais, en fait, c'est vraiment sécurité au max hein. Je vais passer par là. Alors, regardez-moi. Oh, il y a les flics. Il y a les flics, les gars. Il y a les flics qui ont mis... Oh là 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 là, il y a les flics, il y a les flics, il y a les flics. C'est bon, je crois qu'ils ont mis des chiros. Tourne ici, petit véhicule. Non, je vais passer par là. Je vais me cacher là. Je vais me cacher là. Allez, cachons-nous, cachons-nous. Wow, il y a des biches. Oh my god. Regardez-moi ce véhicule. Incroyablement incroyable. Non mais c'est beaucoup trop là. Je comprends pourquoi ils voulaient pas le montrer à l'état, les gars. C'est abusé. Ça, c'est un véhicule de riche. Ça, tu peux pas le voir, ça. Ça, tu peux pas le voir dans... C'est un véhicule de milliardaire. Tu peux pas le voir dans la vraie vie, ça c'est impossible. C'est un véhicule de milliardaire. Et on l'a chopé, les gars. C'est notre cinquième trouvaille. Il nous en restera deux juste après. On avait une biche morte. Il nous en restera deux juste après. On va aller livrer ça, à tout de suite. Ok les gars, on est juste à côté de chez... Franklin, Simon va être content. Pour ce véhicule, Simon va être content. On a fait ça en parachute, hein. C'était vraiment stylé. Bah écoute, toi, je vais te mettre là. Hein. Je vais te mettre là. Quatrième véhicule. Par contre, les autres, je peux pas les garer parce que vous voyez, il n'y a pas de place. Donc lui, je vais le mettre là. Voilà. Ah oh, ouais, lui aussi, il prend trop de place. Hein. Je commence à plus avoir de place, moi. Je commence vraiment à plus avoir de place. Bon, on a encore quelques petites places. On enlèvera la moto et le véhicule de Franklin. En tout cas, actuellement, nous avons 4 véhicules. Plus celui là-bas, ça fait 5. Et on se retrouve pour le 6ème véhicule, l'avant-dernier. Et après, vous pourrez voter bientôt dans 2 véhicules. Vous pourrez voter qui est votre préféré. Ok les gars, on est parti pour le vol du 6ème véhicule. La collection de supercars de luxe. Alors, regardez-moi ce chemin.
Pourquoi il y a un chemin comme ça? Oh my god, ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, regardez-moi au milieu. Regardez-moi aussi les... Oh là 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 là, les avions et tout. Ouais, bah je vais me garer là. Je vais me garer là, écoute, je crois que la porte elle s'ouvre pas. Regardez-moi tous ces véhicules. Ah ouais, il y a des adders, il y a des Antiti. Mais le plus important, c'est le véhicule au milieu. Oh là 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 là. Ah ouais. Mustang GT. Incroyable. Alors là, pour moi, pour l'instant, on relève le niveau. Je rappelle, vous pouvez voter dans les commentaires selon vous, c'est lequel votre véhicule préféré. Pour l'instant, il y a la Formule 1 qui est pas mal. Mais là, je dois vous avouer que ce véhicule, regardez-moi ça là. Regardez-moi les roues de Mustang là. Les roues sont incroyables. Le GT derrière. L'aileron devant. Alors, je vais rentrer à l'intérieur pour pouvoir commencer. Oh putain, mais c'est quoi cette beauté? Oh, incroyable. J'ai rien à dire. Clairement, j'ai rien à dire. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau pour moi. Je sais pas si c'est mon préféré avec la Formule 1, mais je pense quand même pour un véhicule. Là, je dois vous avouer qu'il relève le niveau. Hein. Il relève le niveau. C'est trop incroyable. Trop incroyable. On va aller garer ça, les gars, chez Franklin. En tout cas, pour ma part, c'est l'une des plus belles trouvailles de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment l'une des plus belles trouvailles de cette vidéo. Cette Ford Mustang, mais on n'a pas fini, puisqu'il nous reste encore un véhicule, les gars, un dernier véhicule. Et on aura fini cette magnifique vidéo où on collectionne des voitures de luxe. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Oh là là, il drift pas mal le véhicule. J'espère que ça vous plaît. Et on va aller chez Franklin. Magnifique. Franchement, magnifique. Allez, toi, je te mets ici. Je te mets ici pour l'instant. Ensuite, on fera le ménage. On enlèvera la voiture de Franklin et tout. En tout cas, on va du coup aller chercher le dernier véhicule de cette vidéo. Et croyez-moi qu'on va faire, clairement, là, je pense qu'on va faire limite plus de 20 millions. Là. Je sais pas si ça vaut combien ces véhicules, mais ça va être pas mal. Et du coup, on est parti pour le dernier véhicule. Oh là 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 là. Mais c'est trop. En fait, à chaque fois, c'est trop. C'est quoi cette... C'est quoi ça? C'est... Wow, c'est un véhicule monster, c'est un véhicule qui vient d'où ça, les gars? Ah ouais, alors je kiffe ce genre de véhicule, moi, vraiment. Je sais pas si ça, on peut en acheter dans la vraie vie, je crois que ça doit exister, mais c'est quand même assez cher. En France, j'en vois pas beaucoup, ça doit être très rare, c'est quand même des véhicules de collection, ça. Hein. C'est vraiment des véhicules de collection. En tout cas, je sais pas si le mec il est en train d'acheter des bijoux. Mais je pense que nous, on va voler son véhicule. Oh là là. Écoutons le bol, écoutons le bruit. Oh, pas mal. Bruit plutôt pas mal. L'intérieur est vraiment beau. Et c'est parti. Holy sh... Wow, par contre, le véhicule dérape. Le véhicule dérape, mais il a une très bonne vitesse de pointe. C'est du coup ce dernier véhicule de la vidéo. Donc c'est vraiment le dernier véhicule de la vidéo. On va aller chez Franklin. Et vous me direz, selon vous, et d'après vous, et voilà, selon vos goûts, quel est votre véhicule préféré? Et moi aussi, je ferai un choix, même si c'est assez compliqué. On a vraiment pas mal de véhicules. En tout cas, celui-ci, il a pas très, très... il a pas une bonne tenue de route, hein. Il a pas une très bonne tenue de route. Mais en tout cas, il est beau. Voilà, il est beau. C'est un véhicule classe, c'est un véhicule de riche, c'est un véhicule de collection. Et il s'ajoute bien à cette petite collection d'aujourd'hui. En tout cas, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on en a fait pas mal. Et là, on en a fait 7. Waouh, incroyable. Ok, les gars, c'est enfin fini. Regardez-moi cette collection. Ah ouais, eh, franchement, par rapport à la première vidéo, je dois vous avouer que cette collection est quand même beaucoup plus stylée que ça. Hein. On a le véhicule de Hamilton, une McLaren, une BM des années je ne sais combien, un véhicule qui vient du futur, une Hot Rod, je crois que ça s'appelle comme ça, une Mustang et un 4x4 bah, géant. C'est un 4x4 géant, clairement. Là, ouais, c'est un 4x4 géant. Alors le 4x4 géant, je vais peut-être le placer un peu derrière. Attendez. Je pense que là, il est bien le 4x4. Comme je l'ai mis là, il est pas mal. Ah ouais, 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 ouais. Non, mais c'est trop là. Ah, c'est beaucoup trop. En tout cas, à vous de choisir dans les commentaires c'est quoi et bon, quel est votre véhicule préféré selon vous. Hein. C'est lequel, voilà. Vous avez un choix à faire entre les 7 là, vous prenez lequel. À vous de choisir. Moi, personnellement, soit la Formule 1, soit la Mustang là. Donc voilà, un des deux, ça c'est sûr.
Après, il y a la McLaren qui est pas mal aussi. Hein. C'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Mais quand même, la Mustang là, elle est magnifique. Voilà, à vous de faire votre choix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Voilà, si vous voulez un épisode 3 de collection, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre véhicule dans le prochain épisode. En tout cas, on s'assied là-dessus. Ciao, ciao tout le monde.